Et bonjour les amis cyclistes. Alors aujourd'hui c'est un test un peu particulier parce qu'on va essayer un VTT fat bike. Vous voyez ces gros pneus, un cadre très simple. Ça c'est un montage perso réalisé par le magasin Culture Vélo à Sallanches, Cycle Évasion. Merci à eux pour ce prêt. Donc vous voyez, donc c'est un VTT 26 pouces, mais avec des pneus énormes. Alors là je voulais poser un petit peu dans la neige parce que tout simplement c'est un vélo qui est fait pour évoluer sur les sols très meubles, la boue, le sable et la neige. Alors ici à Pration Harly, on est assez bien doté. Vous voyez là, ce sont des pneus qui font sont des 26 par 4. Quand un VTT normal a plutôt des 26 par aller entre 2,15 et 2,35. Donc ça c'est un montage perso avec un 9 vitesses monoplateau. Voilà, ce sont des VTT très simples. Alors vous pouvez en trouver avec des fourches télescopiques, mais ces gros pneus et le gonflage à basse pression fait que ça amortit quand même pas mal. Hein. Une grosse section de pneus qui permet de passer un petit peu partout. Donc aujourd'hui on va aller essayer ça sur le domaine de ski nordique de Pration-Harly, alors qui est un petit peu abandonné en ce moment parce qu'il fait très chaud et la neige est pas super pour skier. Par contre pour le fat bike, il y a moyen que ce soit sympa. Allez, je vous fais un report très rapidement.